Mais oui, il était là dans le coup. D'abord, le 15. Les 15, avant l'assassinat du 16, les 15, Joseph a désarmé tous les militaires de la capitale de Kinshasa. Aïe, qui m'a milité, ceux qui n'ont pas milité, ou alors qu'elle va à Koufi, voilà, à Mindouki. Donc, je suis soulevé. À désarmer la Mouniance. Après, se rendre compte du bon déroulement de l'assassinat qui vient de donner, Joseph a pris son avion et est allé à Mindouki. Donc, il a cherché un alibi pour s'innocenter. Vous comprenez? Alors qu'il avait bien préparé avec l'Occident qui est là aujourd'hui. Vous comprenez? Il savait bien. Alors, mon Si, amour. ceux qui n'ont pas quitté, à qui profite le coup? Et qui profite à celui qui l'a perpétré? Donc, Joseph Kabila, c'est le commanditaire, en fait, il a participé à l'assassinat. L'homme, qu'est-ce que l'assassinat de Joseph Kabila? Oh là là, ça déjà. T'as là, et le gars, je ne sais pas ça, je ne sais pas. Sauf à tel lieu, on a un peu de temps. Même si c'est âge. Vous comprenez? Jeannette, ça m'a largement collé par Joseph. Ça m'a pas sauté. Parce que là, il y a un peu Joseph a un peu de temps. Jeannette, a un peu de temps. Après, il faut changer les soucis. Or, il faut voir, ça n'existe pas au Congo. C'est un secteur ni district ni exagéré. Il y a un territoire de physique, il y avait investi là-bas avec ses soldats. Voilà, des Congolais télévision, de partout, beaucoup l'endami soit en ces nets moments, binoboyo. Beaucoup d'amis sont en direct na Facebook, beaucoup d'amis sont en direct na ma page, na ma plateforme, na biso Mobimba à ce net moment. Léon, il s'agit de vérité, parce que nous allons parler de la vérité sur la République démocratique du Congo. Moka oyo, nenge tokota la nakata la République démocratique du Congo, il y a tant de questionnements, oui, pour les cas, la mitoua va congolais. Léon, la plupart, il y a ma question, puis il y a ma questionnement, wana, et pour ça, il y a un mot, parce que nenge tokota la nakata la Congolais télévision, c'est la vérité, rien que la vérité, la temple, il y a ma preuve, la temple, il y a ma vérité, tout le monde, ça, tant ou non, son Léon, tout le monde, moka. Etienne Kabila, toko solanaye, makambotali mboka. Lelo, République démocratique du Congo. Toko kende, bongo, oezali bongo, loko la 4e cycle électoral na 4e République démocratique du Congo. Est-ce amélioration, ezali? Moka yko stagne, to mboka eko atteindre moins petit à petit développement na yango. Et bongo, toko tala, danger politique de l'air. Est-ce priorité, ezali nini? On a mandat oyo, peuple azali ko singani. Est-ce que ba kondi oyo, ba zali, ba koti na 4e pouvoir oyo, ba zali? La capacité où on a, il y a pour subvenir la situation du peuple où il y a pour s'engager à Bango, ils allaient monter là parce que pour que cela n'ait pas été la vérité, il y a mon amour Laurent Désiré Kabila et pourquoi pas nationalité, il y a mon amour qu'à Joseph Kabila, mon amour qu'à bonne année, meilleur vœu. Merci, Père. La base dit était les deux Congolais, pour l'Andayo, vous allez vous mettre en Congolais la télévision, du soir, il y a la vérité, rien que la vérité. Non, on comprend pas que ma vérité, ni ma congolais, ma yoga information, ma langue. Tant que vous avez la situation politique, analysez-nous ça. Bon, situation politique, quand je vois le palais de la ménagère qui est totalement pris, quand je vois, je constate que Kinshasa, c'est la capitale la plus sale au monde, c'est déplorable. Des programmes. Cela veut dire que toujours avant cette date. J'ai quitté l'Afrique du Sud dans ma matinée, ce matin, on est pas tant pour la faute. On a quitté la Kenya. On a dit, elle prend vraiment des abonnés. Mais dès la première question, ça, j'ai failli pleurer. J'ai failli pleurer. On a dit, ah, par le bas qui mandat sur la modernité, ce qui a des changements exacts. Toujours on a la cima caca. Jusqu'à ce qu'on retourne la question, Kinshasa est saturé aujourd'hui, d'ici 5 ans, ça sera comment? Vous pouvez venir. Hein? Situation politique, les politiciens, ils ont la population qui a retourné, tout le monde en rond. Toujours vous voulez pénétrer. Toujours vous voulez pénétrer aussi longtemps que tant que la population, tant que Étienne Kabila, les non-Kabila, ça fait quelque chose en tant que réseau, que ça moi, sonnette, mon gros bonhomme, la matrice, vous voulez aussi longtemps aujourd'hui, vous voulez la situation est déplorable. Vous avez géré ces pays. Moi, Étienne Kabila n'a jamais géré ces pays. Je n'ai jamais été dans l'exécutif du pays.
Moi, j'ai travaillé comme coordinateur chargé de renseignement. Je faisais ma part, c'était juste le renseignement, un réseau de renseignement qui dépendait du chef de l'État. C'est ça le rôle que moi j'ai fait. Moi, je n'ai pas géré ce pays. Je n'ai pas été à l'exécutif. Celui qui gère, c'est l'exécutif contrôlé par le Parlement. Malheureusement, Kenapé Nabisso, Parlement, ça résume ça en anglais. Salaté aussi longtemps que mon plénière en plénière, ils ont salé ma Non. loi, ils allaient voter. Nada. Mon salaire pour salé matin Dans la à télévision, Nalanda, c'est qui? Molière, Nemba Nemba, on Molière. appelle souvent Papa Molière. Papa Molière. Il a dit, voix, loi, ni biso to vota, il y a bien population à ces pays-là. Lui-même, qui est dans l'hémicycle, a zéro fonte basala comme salaté. Vous avez compris? Le rôle d'un député, c'est quoi? Le rôle d'un député, c'est de voter les lois. Oh, et vous allez pour il y a la réforme pour changer de pays. Le rôle du député, c'est quoi? Le rôle du député, c'est contrôler l'exécutif. Vous comprenez? Le député, c'est la contrôle l'exécutif. Le Parlement, c'est l'organe de contrôle par excellence. Le Parlement, c'est le contrôle exécutif. Mais comme vous avez dit, IGF, vous comprenez? Parlement, Mais par on a oui, les finances, Non, parce que les alliés, quand même, organe, allons-y. la place, il y a cour des comptes. Parce que vous avez dit ça. Allons-y petit à petit. Nous sommes à l'organe de contrôle. Ce qu'au Parlement interpelle la ministre, la Bengana, le ministre des Finances, jusque la Sénat. Dépassement budgétaire. Dans le ministère, presque nous sommes. Aux affaires sociales, aux affaires sociales, aux prévoyances sociales. Il y a 612%. Il y a dépassement budgétaire. Vous comprenez? Qui est interpellé? Il est qui peut avouer? Parmi ça, vous L'IGF savez. a interpellé Rabatunion, surtout Moni, mais tout le monde est dans le mandat, dans le premier mandat, jusqu'à la difficulté. Il y a cause de mon salaire, IGF, il IGF faisait étouffer. Il faisait étouffer. IGF fait mon salaire, il va aider la conscience à étouffer. Parce que sauf ma interpellé, je vais gagner mon salaire, je vais taper après, mon bateau vient ça, à Vous comprenez? Et puis IGF, Azan Nicolas parlementaire, l'organe de contrôle par excellence, hein, c'est le Parlement. Vous comprenez? Or, quand les gens disent que va foutre à Bango 21 000 dollars, non, 21 000 dollars, les parlementaires n'ont pas été en mesure de faire 21 000 dollars. Or, 21 000 dollars, les enfants là, souvent, ça va pas bien. Comme Bassala Moussa a bien fait, parce qu'il n'y a pas de problème, on a peut-être 325 000 dollars. Alors que les armes à Moussa n'ont pas d'avantage, ça va jusqu'à 50 000 dollars. Mais Vous les autres ont comprenez? parlé de la scène politique. La différence entre régime et un régime et un Tshisekedi. Bon, moi, le régime à Joseph n'a Tshisekedi. Bon, il n'y a pas une très grande différence. C'est vrai qu'il y a une différence, mais pas très grande. Pourquoi? Parce qu'on change le président, le mouvement va être président Moussa. Mais Bakassi, il y a la FCC. Il y a Joseph avait perdu. Mais bah, il va continuer à faire. Parce qu'il d'abord caché FCC. Après, le caché FCC, bah, comme il a sacré. Tout ça, quand même, c'est pourquoi on dit. Les gens se demandent pourquoi Étienne Aguiné a voté. Pourquoi Nadouba a voté pour Félix Tshisekedi. Ah, vous avez quand même voté pour Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi j'ai voté pour Augustin Kabouya? Pourquoi j'ai voté pour l'UDPS? J'ai compris une chose. Changement des OAT, pourquoi? Parce que le président n'a pas la majorité. Alors, ça n'a pas la majorité. Même personne n'a pas la majorité. C'est comme si le chef de l'État était pris en otage. La majorité a fabriqué majorité pour être premier ministre. Vous comprenez? D'où? Je m'étais dit non, non, non. Il faut que n'a voté. Mais tout le monde, que ma voix aide au moins. Que le président a la majorité, il y a une vraie majorité. Il y a une autre. Et permettre à ta projet de société là-bas pour aider presque. En pratique. Ah, projet de société, Comprends? il y a mot côté, mais projet de société, il le pèse. Chaque parti politique dans le projet de société là-bas. Chaque parti politique, il faut dans le parti politique, dans le projet de société, pardon. Chaque parti politique, il faut dans le projet de société là-bas. Sauf du pouvoir, il va continuer à faire un projet de société en pratique. C'est comme maintenant aujourd'hui, le président de la République a travaillé, par exemple, de 5 ans avec quel projet de société. Projet de société, exact, parce que vous avez 500, 300 partis politiques. Vous avez un projet de société, il y en a. Quand le président de la République, les gens disent, les gens doivent travailler dans ma vision. C'est comme si la vision était le bon parti qui pourrait. Donc on ne comprend même pas ce qu'est le chef de l'État. Vous comprenez? Cela veut dire que, Bozui Batou, bon, c'est par exemple seul n'a plus de responsabilité pour la élection, basant la idéologie à côté, basant la position de la société, n'a plus de responsabilité, donc changer leur mot côté.
C'est pourquoi que vous sentir que changement paysan, ça m'a cassé. Moi et beaucoup de mes compatriotes ont pris conscience. On dit non, non, tout peut s'appeler la majorité. Cette fois-ci, tout à là. Ce qui peut faire, ce qui peut amener comme changement dans notre pays. Et puis, il n'y a pas que cela. Oui, mais dans l'Ipsa Ibaltu, que la victoire du président Félix, ce n'est pas la victoire du président Félix, c'est la victoire du peuple. Pour moi, c'était très prophétique. D'abord, on est plus clair, c'est prophétique. Pourquoi? Pour voter le 20 décembre. Vous comprenez, hein? Le 20 décembre. Tu votes plus exactement le dimanche, je crois. Mais bah, dimanche. Bah, ouais. Élection mini mini couverte avec dimanche. Voilà. Et puis, ça aura mini mini bah, jour où voilà. Voilà. Le 20 décembre. Le 20 décembre, c'est la date de mon anniversaire de naissance. Ok. Attends, pour faire le joyeux anniversaire, malgré tout. Il n'y a pas dit que ça, c'est la victoire du peuple. Il n'y a pas que cela. Votez avec le 20. Il y a aussi un cadet numéro 20. Vous comprenez pourquoi je vous dis que c'est prophétique. Il y avait un cadet numéro 20. Donc, le 20 décembre, la date de mon anniversaire de naissance, le 20 décembre, il fallait voter. Il y avait aussi un cadet numéro 20. Dès le passé, l'élection est sur l'équipe à le président Félix, vainqueur. Dès le souvenir, ah bon? J'ai vu combien de pourcents à l'école primaire? 73,34%. J'étais premier de la classe à l'école primaire, mais de l'eau décalée. Dans lui, j'avais raison de voter pour cet homme. C'est ma prophétie. Je suis optimiste que ce mandat ici, président Gorbano, je dois écrire mon histoire pour que le pays puisse changer. Donc, le président, il doit balayer un peu la cour. Balayer la cour, mais de l'autre côté, là-bas, au Basali, tout autour, il y a chef de l'État. Est-ce que moi, vous permettre au chef de l'État, ça va monter la main? Non, pas du tout. Pas du tout. Cela veut dire qu'il a du mal et ça m'a commencé. Parce que le président de la République, c'est pas un magicien. Le président de la République seul ne peut rien. Il faut avoir tout le monde, conseiller Naïe, dans la PD, dans la groupe IVD. Même dans le domaine de sécurité. Dans le bas qui a mon arbre qui m'aide, c'est qui c'est le conseil spécial de sécurité. Et François Bé. Donc pendant les 37 ans, il dépense à une moto, il peut éviter pas comme conseil spécial de sécurité. Mais c'était prévisible que, à tout ça, Joseph l'a déjà, après le pic à la suite, il dépense à préparer un bâtiment côté pour passer à l'homme de loi. Président qui est Namwanda. Président Lobina, c'est peuple qui est Namwanda, Namoni, Missal est avancé. Peuple a crié. Il est avancé. Mais je vais te poser la question de savoir, c'est lui qui a lancé le président de l'Ordre. Avant que le président ne se déplace, il y a un service. Il faut faire la cour. Il faut bailler ma population et aux autres. Ça tente à la cour. C'est qui t'a besoin aux autres. Il ne faut pas dire ça. Vous allez comprendre que tout autour du chef de l'État, tu as aidé à comme ça. Vous comprenez? Donc, tout ça, trop dans la distraction que dans le travail. Vous comprenez? Alors, si le président a changé, tout autour du chef de l'État, vous allez et ils ont la faute, il y a chef de l'État parce qu'il y a une population à Kosinga. Parce que tout la population est un peu exigeant quand il y a des préoccupations. Il y a une Kosinga, un chef de l'État. Mais ce qui est totalement pourquoi le choix est Félix Antoine Tshisekedi? Parce qu'à côté, il y avait Moïse Katumbi. Ouais, le choix est congolais. Le Congolais prend conscience. Parce que, comme moi d'ailleurs, le Congolais avait compris que Mabélé, il a sacré. Sans qu'on perde ma belle, tu perds tout dans ta vie. Vous comprenez? N'a habité ce côté à la Bible et le Colanga. Donc, Moïse Katumbi, Bible, Moïse Bible, la Bible, votre tanga. Na Exode, na Deutéronome, chapitre 15, verset 15, je vais lire, c'est avec votre permission. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger. Qui ne soit pas ton frère. Tu comprends? Ce qu'on a avant du Boye, il y a deux candidats, Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi Congolais, n'a voté un Congolais de papier par adoption. A dirigé le pays en abyssin. Est-ce que tu comprends? C'est ce que ma Congolais va comprendre. Oui, non, non, non. Moïse Katumbi, il y a clair que maman n'a pas de Congolais. Mais papa n'a pas d'origine juive ou de mais maman n'a pas de Congolais. Oui, ma paye mon sous, batimou, sous la bazar, tu vas voter. Attends à Kenya, à ce temps-là, comment va tout ça? Attends à Bazar, je dis pourquoi pour candidat pour la République d'abord. Il faut un congolais de père et de mère, il faut moi scénario P, à la paix égyptienne, à la paix algérienne. Vous comprenez? C'est quoi? Juste devant le cas où tu imagines, Moïse est juif, ok, Moubemba, du Katanga entre parenthèses, Batia Batia Baguiem, vous comprenez? Une femme Tutsi,
Hein? C'est qu'on comprend qu'est-ce qu'on connaît. Alors bien aussi sa guerre peut-être dans 6 mois, 3 mois, aussi sa guerre à l'Est. Ah, aussi sa guerre à l'Est, c'est un beau frère. Un beau frère, il est battu. Un beau frère, il est battu. De base, il est battu, il a la richesse à Congo tous les jours. C'est comme Moïse, sa femme est battu. Karine. C'est comme Moïse, c'est un beau frère. Vous comprenez? Le Congo va prendre conscience, va lui dire non, 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 non. Peut-être que Félix n'a pas fait mieux. Acceptons que nous votons pour Félix Tshisekedi. Si c'est le moindre mal, votons pour Félix Tshisekedi, notre frère. Tobong Samakamoussou Nassima. Vous comprenez? Dans le bac dernier, dans le bac sous. Ah, tout ça, là, qui structure la vie. Moluba, Mokongo, Moswahili, Mongala. Tout ça, la coordination, c'est beaucoup plus structure, beaucoup plus. Quatre coordonnées. Ne touchez pas à ma terre. Vous avez un accord avec la nationalité, d'accord. Mais vous avez terre, vous avez pouvoir. Et aujourd'hui, la terre. Il a été gouverneur il y a 30 ans, quand même. Écoutez, la terre, celui qui protège la terre aujourd'hui, qui garde l'intégrité territoriale de Félix Tshisekedi. Cela veut dire que la structure de la mission ne touchait pas à Félix Tshisekedi. Sauf que Félix Tshisekedi, ça veut dire que tout le monde est mission. Vous comprenez? Il a géré, il était gouverneur du Katanga. Vous savez tout ce que Moïse a fait au Katanga? Il a créé combien d'emplois au Katanga? Quand il dit Nazana Bilan. Il a créé combien d'emplois? Parce qu'il crie sur les Milan où Azan a. Mais bah, toi, il a bien géré dans Katanga. Voilà. Et... Il a géré quoi? Il faut que tout n'aille. Pour créer combien d'emplois dans Katanga? Il était gouverneur de 2007 à 2015. Dans 2009, même Congolais, 2000 Congolais dans la SNCC, dans la pension. Sans qu'il m'a fait ça, on va inviter les sorties dans la banque. Des familles comme ça qui étaient sacrifiées. 2000 familles. 2009, pour expliquer ça. Après, c'est Koufa. Moi, j'ai fait la compagnie, j'ai fait ma tata. Il y a moi, j'ai commencé à transporter ma minerai. Combien de familles Koufa de c'est Koufa? Vous comprenez? Combien d'entreprises dans Katanga et Koufa pendant que Moïse était gouverneur? Moïse a vendu même des briques. Vous comprenez? Briques cuites, Moïse a commencé à faire des briques cuites. Il y a des briques les plus chères dans Katanga pendant qu'il était gouverneur. Vous comprenez? Business, Dios, Moïse a posé la plus chère. Moïse a dans la catégorie de Katanga. C'est la mafia. Mafia n'a rien. D'abord, on va tout faire avec lui. Je vais t'en Moïse, va venir à Moïse. Moi, je tombe en passer au bout. J'ai vu comme ça avec Moïse. Là, c'est qui ça va battre, mais là, comment on a répété à mon petit ami? Car un autre, le Roubachier. Moi, je suis président de la Zimbabwe. On a besoin de 650. On n'a pas perdu les matchs. L'arbitre a coupé les matchs. Moi, le français à Moïse et à Kala. L'arbitre a coupé les matchs. C'est pas non, c'est la mission. On met la fruit sur la salle à ce qu'on a fait. On va faire ça. 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 Pourquoi faut-il alors rembaisser? Moïse a continué à faire la route. La route est au Kala. Moi, on va l'ajouter dans le courage. À tel endroit qu'il a fait ça. On va faire ça. On va faire ça. À notre papier, on a dit les deux ans de trouver de plus au Congo. À fond, on va dire, après la troisième page, tang, après la tuniga. Elle dit, Étienne, moi j'avais écrit, la flore et la faune font l'objet de destruction massive par les armées d'agression. Ce qu'on voit à tuniga, à contre ça, tuniga, Étienne, il y a un handicap. Deux phrases, il y a un handicap. La flore et la faune, il y a pour rien. Vous comprenez ce que je veux dire? La flore et la faune. Et ça, il n'y a pas de vous comprenez? Vous comprenez? Nathalie Kaka a expliqué que les abonnés ça va être. Mais là, vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Mais c'est pas j'ai dit il a battu campagne ton monde Moïse Katumbi même na Kinshasa il a parlé laisse-moi pas de négatif laisse-moi terminer l'idée. Le problème c'est pas de la langue, le problème c'est quoi avoir une idée dans sa tête. Moïse n'existe pas dans le monde des idées. On comprend. C'est quoi l'air c'est quoi a commis awa après a fini a commis awa candidat à la présidence. Dès la loba dit que ce n'est pas la faute de Moïse, c'est la faute de mon père. Pourquoi? Quand mon père avait demandé au Rwandais de rentrer chez eux, Armand a dit que son fils adoptif Joseph ne venait pas. Joseph est un abruti, il n'a pas été à l'école. Maintenant, il a pris Joseph du néant, il a élevé Joseph. Laisse-moi d'abord terminer, ne parlons pas tous à la fois. Armand dit il a élevé Joseph, un abruti du néant, jusqu'à faire de lui général-major. Vous comprenez ce que c'est?
Là, Joseph, maintenant, Joseph a profité de ses positions pour faire un coup d'État contre son père Moïse. Maintenant, comme Joseph a fait 18 ans de pouvoir, tous les analphabètes dans notre pays commencent à chercher aussi des diplômes. Ils se disent que non, Joseph a tant à quitter. Il a été président de la République. Gap n'a pas dirigé le pays. Mais au moment où il a comme député à quelle université, à quelle aïe d'État. À quel moment il a été au départ, comment on a été ça l'a compété. Est-ce qu'il faut tourner la question en avant? Il n'a pas suivi le discours d'investiture de Joseph, son premier discours d'investiture. Qu'est-ce qu'il dit? A ce prêté serment d'abord. Mais tous chers compatriotes, congolaises, congolais, et c'est pour le cas qu'on était. L'homme était même incapable de prononcer le mot congolais. Il disait congolais. Ça, c'est rwandais. Vous comprenez un peu? Non seulement il n'est pas le fils de Rwanda, Joseph Kabila, il n'a aucune goutte de sang congolais dans ses veines. Maman est je n'ai pas de L'assassinat, il y a Laurent Désiré Kabila, beaucoup. Et il y a même un de proches, il y a fake news, il y a de vérité sur l'assassinat et Laurent Désiré Kabila. Mon amour, il y a est-ce que Joseph Kabila était dans le coup? Mais oui, il était dans le coup. D'abord, le 15. Les 15, avant l'assassinat du 16, les 15, Joseph a désarmé tous les militaires d'un garnison de Kinshasa. Ah, il y a qui m'a milité, ceux qui n'ont pas milité, ils ont dit qu'il y a un Koufi, il y a un Mindouki. Donc, c'est soulevé. A désarmé dans mon yos. Après, se rendre compte du bon déroulement de l'assassinat qui viendra demain, Joseph a pris son avion et est allé à Lubumbashi. Donc, il a cherché un alibi pour s'innocenter. Vous comprenez? Alors qu'il avait bien préparé avec l'Occident qui est dans le pouvoir. Vous comprenez? Alors, il savait bien. Alors, moi, si, ceux qui m'ont quitté, à qui profite les crimes? Et qui profite à celui qui l'a perpétré? Donc, Joseph Kabila, c'est le commanditaire, ou soit il a participé dans l'assassinat de Laurent Désiré? L'homme orchestre de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, c'est Joseph Hippolyte Kanambe. Et vous vous appelez Joseph Kabila.
population congolaise au Makolandabiso. Parce que quand j'ai préparé l'émission, il y avait deux questions. Oui, qui est pas, il y a l'anginabiso, batalakabiso, mingi. Deux questions. Question à l'Iboso et Zali Akouéba. Pendant cette période-là, où était Étienne Kabila? Oui, papa, on est presque là, si je ne m'abuse. Ce n'est pas Étienne Kabila seulement. Beaucoup d'enfants, tout le monde, Jeanne, Bazakuna, Oscar, John, Aimé. Vous avez belé. Belé vraiment. Là, je vous en prie, on a parlé des marques de Bazali. L'aîné, on a parlé de Bazali au Chine. Bazali, on vivait comme tous les autres Congolais. Hein? La Et deuxième. puis, et puis, et puis, et puis, c'est la. L'idéologie des musées, la discipline de l'un des élèves Kabila. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a mis fin sur la reine des intouchables, il a mis fin sur le trafic d'influence. Donc nous, ces enfants, nous devons servir de modèle. Mais moi, avec ma petite fonction de renseignement, je n'étais connu que dans les milieux où je vivais, dans les milieux où je travaillais. Dans les Hein? milieux où vous travaillez aussi longtemps, bah, Congolais, bah, Inaposabaye, bah, jamais de Kabila provenait d'où? Oh là là! Ma question à Kalawana, mon frère. Ma question à Bissanga, déjà. Tala, et donc, il y a je ne sais pas, âge, mon frère. Hein? Si on va t'aller, on a largement mon col et pas Joseph. Mais ma passe. Parce que ça m'a pas sauté. Parce que là, il y a les bossos. Joseph a abouti à Manaïwa. Jeannette a abouti à Manaïwa. Après, bah, il faut changer les sous-sous, on va voir si on va voir si on va voir. Or, Ewabora, ça n'existe pas au Congo, en RDC. Ewabora existe en RDC. Secteur Nini, district Nini, il est en RDC. En Congo. Ewabora, dans le territoire de Fizi, Laurent Gabriel va rester là-bas avec ses soldats. Alors, il a dit, ah, Ewabora, donc le Bel Air. Vous comprenez? Allez, bah, comme ici, on a dit, on va voir Ewabora. On va voir Ewabora, Joseph est né au Rwanda. De son père Christopher Kanambe, de sa mère Marcelle Katerebe. Et la Jeannette dont vous parlez, c'est sa tante. Écoute, Joseph, quand il a prêté ses mains la première fois, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, Joseph Kabila, n'est-ce pas? Est-ce qu'il connaissait d'abord le nom des jumeaux de Baloup? Il ne connaissait même pas. Et puis, quand on s'est fait appeler, hein, Naïbité, les noms des jumeaux, ils ont un poste noté. Ils ont un nom. Il ne peut pas s'appeler Joseph Kabila Kabange. Non. Il devait s'appeler en principe Joseph Kabange Kabila. Vous comprenez? Félix Kabange, Kabange c'est le nom. Numbi c'est le poste noté. Vous comprenez? Gabriel Kiungu. Kiungu c'est le nom des jumeaux, c'est le ballon. Kiungu, après, vous commencez le poste noté. Mais comme il avait prêté serment à Joseph Kabila, moi, Joseph Kabila, à son cas personnel. Après avoir été informé par le Kabbalah, il va continuer à promouvoir Joseph Kabila. Donc, Joseph n'a aucune goutte de sang. Les louilles, tant que la situation à l'Est de la République démocratique du Congo, question à l'Ibouza, question Mibale, et ça directement couplé, il y a l'Ibousso, les alliés, les Mali-Mouneng, sont des Congolais. Il y a un chef qu'on appelle chef Moulengue. Vous comprenez, hein? Il y a une montagne qui s'appelle Moulengue. Les tous sont venus, dans la montagne de la Moulengue, dans le territoire d'Ouvira. Il avait même refusé. Donc, Moulengue, ça n'existe pas. Ni tribu, ni place où on va vendre, ça n'existe pas. Benyamoulengue, bah, existe à côté dans le Congo. Mais il y a les Tutsis, si vous voulez parler des Tutsis, qui se disent, nous sommes les Benyamoulengue. Les Benyamoulengue, ça veut dire, nous sommes les descendants de Moulengue. Ils ne sont pas les descendants de Moulengue, sont des Bavira. Dans le territoire d'Ouvira, il y a des tribus. Il y a les Bavira et les Bafuliro. Les Bavira, c'est les descendants, les chefs Lengue. Aujourd'hui, chef coutumier, c'est moi, Abdon Lengue. Vous comprenez? Donc, bah, Tutsi, Bayaki, Koya, bah, vendre le territoire Rwanda. Avant l'indépendance, après l'indépendance. Et bien,
Alors, Vous tant comprenez? que nous avons John Numbi ensemble dans la situation Est de la République démocratique du Congo, John Numbi, Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, c'est la coalition AFC, l'Alliance Fleuve Congo, est-ce qu'ils seront vraiment à mesure de mener leur coup? Naebi plan à Bangote, mais à ma connaissance, c'est déjà voué à l'échec. Naebi plan à Bangote, naebi moyen à Bangote, mais pour le mouvement rebelle réussir, il faut la populaire. Il faut recruter les troupes. Or, à l'est de la République, on ne veut plus de ces mouvements rebelles. Le mouvement se rebelle comme un populaire. Vous comprenez? Comme un populaire. Mais là où il y a peut-être de l'intoxication, c'est au Katanga. Vous comprenez? Des Alakao, Katanga, parce qu'il y a toujours une guerre entre Katanga et Kasaïen. Vous comprenez? Parce que quand il y a tout le monde dans Tanganyika, Bato ba bauti na nani na olomami. Parce que les baluba, nous les baluba, sinon on dit les balubakati. Les baluba, les balubakati, la tibé, les balubakati n'existe pas. Au Katan, solo ni mouluba, donc nga. Solo ni kasayen, les baluba du kasay. On comprend. Mais ici, on dit par exemple les balubakati. C'est pour faire la différence entre le mouluba du kasay et le mouluba du katanga. On dit mouluba kati. On comprend. Les baluba kati au katanga sont à peu près 80% de la population. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez une insurrection, vous avez dit que vous avez des milliers réguliers de Banoubakat. Vous avez un intérieur, mais il grandit au village, il est de l'autre côté, après c'est ma question, il est de l'autre côté, il est de l'autre côté, c'est là où il y a un danger. Vous comprenez, il y a des villages, il y a des peuples, il y a des places dans les villages. Mais le mouvement de Banoubakat, je ne sais pas, vous avez des milliers, vous avez des armées régulières, ils ont s'organisé. Voilà, tant que je suis en Abisso, tant que tu as la marge politique, priorité pour la deuxième mandat, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça, là, c'est le président qui connaît ses priorités. Hein, parce que le premier ministre, c'est à mettre en pratique c'est le coordonnateur un peu des affaires de l'État, du plan du projet du président de la République, là, la vision, de la vision du président de la République. Donc, On comprend. Mais le peuple, pour ça, je ne sais pas, il ne faut pas avoir, il ne faut pas être magicien pour savoir ce que veut le peuple. Hein, le peuple veut bah, créer un emploi. Le peuple veut que le panier de la ménagère, basse moi et loco. Vous comprenez? C'est ça, c'est ce que veut le peuple. Il faut changer le social. Est-ce que Lelo, est-ce que Lelo, tant que vous avez Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous avez un deuxième mandat où la population est votée massivement, va pisser légitimité, est-ce qu'il sera en mesure de faire ça pour la population à pisser? Je pense, quand on a ma conscience, à Yébi, que Azaf m'a relevable, la population. Personne ne pensait que. Écart et cause à la monnaie entre Yéna et Moïse. Je vais voter pour Félix Tshisekedi, même si peut-être par ma petite voix, il y a un plus, il y a voix à Yéna Moïse. J'étais surpris, écart à Yéna. Alors le président a senti vraiment redevable. La population a voté massivement. Vous comprenez? C'est pourquoi je disais que le président a d'abord balayé la cour. Vous comprenez? Mettre quelqu'un, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, pour que le Congo. Aller de l'avant pour qu'il y ait émergence du pays. 82 est invalidé par la CENI Nakatiwana, gouverneur de la ville de Chantiningovina. Est-ce que c'est la fin tragique? Non, c'est normal, mais surtout, il faut qu'il y ait un cours constitutionnel. Hein? Il a été suspendu par le gouverneur, mais par exemple, le ministre de l'Intérieur, mais le ministre de l'Intérieur n'a pas prérogative de révoquer un gouverneur. Mais le ministre intérim n'a pas trouvé un gouverneur. Non, attention. Les gouverneurs sont élus à l'Assemblée provinciale, n'est-ce pas vrai? Mais c'est censuré par l'ordonnance présidentielle de nomination. Donc le gouverneur dépend directement du chef de l'État. Parce que ce sont eux qui représentent les présidents dans telle et telle province. Vous comprenez? Seul qui a des prérogatives de révoquer un gouverneur, c'est le président de la République. Jusque-là, on a vu que il y a les VPM intérieurs à Sengi Jekoko a assuré un intérim, donc Gentili est mis de côté. Est-ce que c'est légal? Le problème, c'est que beaucoup changer mille fois, ma gouverneur. Hein? Mais il faut changer Moutou. Moutou, il faut que ça soit Moutou, il faut que ça soit Moutou. Et c'est ça, Moutou. Donc, c'est plein de Kinshasa, c'est ça. Bon, qui sait ça, c'est pour changer de gouverneur, pour que je sache comment prouver. Oh, Azoua qui m'a bon, est-ce qu'il y a Azoua qui m'a bon? Est-ce qu'il y a Bakanga qui est? C'est ça qui est de la tozo, il y a ce qu'on a dit dans le mandat où il y a le président. Ça veut dire que ceux qui ont eu un bon à l'État,
que oui, Baki. Baki, quand il y a plutôt la prison pour ça ne veut pas dire que ma prison mongo à l'État, au lieu de mongo après impunité et continuer. On va changer ça. Voilà, mon tourné est sous. On va changer ça. Mon Étienne Kabila, est-ce que mon amour Kabila, ça fait que c'est Chilombo, ici à Yambio? Non, c'est le final. Tous les jours, on ne peut pas se réveiller du matin comme ça. On dit que voilà, le président de la République doit recevoir. Non, il y a un protocole qu'il faut respecter. Mais le chef de l'État a répondu. Il dit, oh, tiens, c'est lui qui était à la foule, je le connais bien. C'est moi, je m'étais joué à la lutte de l'île de Fès. Moi, j'ai raconté d'abord, de collaborer d'abord avec le président Sekedi, avant que le président Félix soit mon président. Quand on était à la foule du Sud, j'ai commencé à collaborer avec l'île de Fès depuis Kinshasa, j'ai collaboré avec l'île de Fès à la foule du Sud. Je m'étais joint à la lutte de l'île de Fès. On s'est battu pour la démocratie. Moi, j'ai fait mes 20 ans, 20, 18 ans de lutte contre Joseph. C'était cette continuité de lutte. Vous comprenez? Voilà. Alors, le moment venu, je passe dans mon âge. Par rapport à Joseph Kabila, réaction au gouvernement. Non, qu'est-ce que je veux faire? Tout le sur l'élo. Sur tout le monde. Quand est tout le monde, ça va. C'est tout. À l'équipe, la peine à l'équipe. S'il me dit bonjour, je dis bonjour. C'est pas un problème. Mon amour Étienne Kabila et Sengo, il y a qui a consulé en Ayo, ma camboté dit Mboka, parce que ma Congolais. Il y a besoin d'informations et surtout que les Congolais télévision, c'est partout, même les diasporas, Bazali, très très connectés pour la Colanda Bisso, Koyeba, surtout Bango, il y a vraiment besoin de ce qui se passe dans Mboka. Vous avez informé la population. Quel message adresserez-vous à la population congolaise dans l'ensemble? C'est la population photo, la population, ils en ont besoin de la problème. Le problème, ils ont le gouvernement. Bisso, ça, c'est notre part. Notre part, nous avons voté pour le président Félix. Qui était maintenant au président Félix, à se sentir redevable, à zone qui s'appelle population. On a expliqué la population à l'île d'Enini. Le mouvement Oyo, il y a beaucoup de Sabino. Oh, tout ça, le mouvement rébellion, tout ça, bah, bon, c'est là qu'on va retourner au Tuna Bango. L'air Azaï n'a pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Azaï général, qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a servi? Non. Homme, tu sois à l'objet, Nainde, Nanoma qui Félix Azaï voté terre. Tu as fait une infraction. C'est là où tu trahison. Tu mérites la prison. Vous comprenez, base à la couverture, je retourne à Batouana. Je sais que même à l'est, Batouana, Balbi Sougueté, Baza prête pas dans le temps pour parler de mon rédé. Population, photo Fongoulamiso. Les gens qui viennent là-bas, quand vous dites que tout prend les armes, tout vient de la balabala. C'est pour les intérêts égoïstes. Vous comprenez, Baïba, Balouba qui n'ont élection, ma condition est réunie. Il va gagner l'élection pourquoi? Alors, population, tous à la calme, tous est là, 5 ans, Oyo. Il y a le président Félix. Ce qui a sali après 5 ans, ce qui a sali mieux, tu veux dire ma boko. Ce qui a IDP, le président Félix n'a IDP, n'a pas échoué. Après 5 ans, tu vas voter, c'est comme ça, tu gardes le souffle, tu gardes la caméra. Sois optimiste, je pense que le Congo ira de l'avant. Congo est de l'avant. Merci Nabino Nansubozalaki, vraiment très, très, très nombreux. Vous êtes en direct dans la plateforme Nabisso à Congo Live Télévision et la grande chaîne Congo Live Télévision sur YouTube. Nous sommes là pour vous servir la bonne information et surtout la bonne information et l'information sur la source Nenge Tomesana, Koyamba, invité ou pas pour informer Bino, mon amboka émission et Sili. Bissoua, on a coutume à Congo Live Télévision, tout ce que ça émission, on a moins soumis. Mon amboka. Oui, bisi biswa ki ozalaki prophète. Tali si biso le 20. Obotama le 20. Ozoa 73,34% na école na yo. La école primaire ma indele ou de Kalemi. Tout à fait. Oui, ça loko la prophétie moko ya le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mon amboka. Soki Félix. Un deuxième mandat, même population, même Étienne Tshisekedi et Étienne Kabila. Ma tante n'a eu pas tellement Félix. Pour qui m'a Félix, pour le film d'aïe. Dans la membre de l'UDPS, moi j'ai jamais été membre de l'UDPS. Moi je soutiens seulement un compatriote qui est contre un Congolais de papiers. Je soutiens que, et je souhaite que le président réussisse à son mandat, parce que soit à réussir le mandat naïf pour les ménages du Congo, soit bénéficier. Vous savez, dans notre pays, on ne se partage pas la proportion de revenus nationaux. Soit réussir. Soit réussir, le mandat n'est pas naïf.